Salut tout le monde, c'est ML2G, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ragnablock. Et je parle assez fort parce qu'on est sur des rails. Et les rails, ça fait beaucoup de bruit. Et d'ailleurs, en parlant de rails, est-ce que vous savez que pour baisser le son des rails, il suffit de baisser le son? Friendly créature. Pourquoi, au bon Dieu, les rails sont considérés comme des créatures passives? Il va falloir m'expliquer quelque chose parce que un minecart n'est pas censé être un être vivant, hein. Donc bon, Mojang, là il va falloir faire quelque chose parce que ça va pas. Ça va pas du tout. Enfin bref, comme je disais, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ragnablock. Dans cet épisode, nous allons faire une course stylée Mario Kart avec les copains. Il y a pas mal de monde hein, sur cette course, donc on l'a déjà faite la course puisque je vous parle de ça. Donc ça va être un clip assez long. On va pas faire que ça parce que j'aimerais quand même qu'on avance un peu entre nous à ma base. Sauf que... Oups, il faut mettre le F1. Voilà, j'ai 11 morts, je me suis fait buter deux fois. J'explique. Il a fallu que je refasse mon stuff. Donc le casque, je l'ai refait. Mon pantalon, je l'ai refait. Mes bottes, j'ai réussi à les retrouver. Mes élytras aussi. Mon arc aussi. Mon épée, je l'ai perdue, mais j'en avais une autre à ce moment-là, donc ça va. Il a fallu que je me refasse ma hache. Donc je l'ai appelée Thor's Axe. Ma pioche, j'ai réussi à la retrouver, tant mieux. Et ma petite pelle, la chauvelle. Il a fallu que je me la refasse. Voilà. Oh. T'aimes bien voir mon visage de près comme ça, non? On sort, t'inquiète. Par ailleurs, j'ai réussi à choper d'autres PNJ. On va voir si le dernier PNJ que j'ai chopé a grandi. Parce que je récupère des zombies PNJ. Et est-ce qu'il a grandi? Non, il est toujours là. Enfin, il est toujours petit. Donc j'ai récupéré un cléric. Très bien pour échanger de la redoute flèche. D'ailleurs, il y a toujours une minecart ici. C'est pas grave s'il va despawn. Et de l'or. Bah, l'or, je vais le garder quand même. Je vais juste lui échanger la rotten flèche. Et du coup, lui, il est en train de réfléchir parce que depuis tout à l'heure, il tourne en rond là. Et c'est un fermier, donc c'est parfait. Avec ces trois gaillards là, je vais pouvoir me faire une petite ferme pour récupérer des PNJ à foison. Mais ça, on verra plus tard. J'ai rien d'autre à vous montrer par là-bas parce que c'est juste du stuff. Là-haut non plus, j'ai rien fait de nouveau. Par contre, j'ai beaucoup travaillé en créa. Et je pense qu'on va faire là, juste après la partie avec les minecarts, une prolongation d'un côté. Pour pouvoir stocker tous les blocs de couleurs, c'est-à-dire la laine, l'art de net clé, la glace et les colorants. Voilà. On fera ça, il y aura une autre partie à faire où il va falloir qu'on stocke tout le bois et transformation de bois, c'est-à-dire on a les bûches, les planches, les saplings et les feuillages. C'est déjà pas mal. Et après on verra ce qu'on pourra faire. Mais en attendant, c'est déjà cool. Donc je vous retrouve tout de suite maintenant avec du Mario Kart sur Minecraft. Donc c'est une course en bateau, voilà. Je sais pas comment je vais nommer l'épisode, mais je pense que ça va être course en bateau en folie ou une connerie dans le genre. Avec entre guillemets Mario Kart, je sais pas. Histoire d'avoir un petit titre putaclic, hein, on aime bien. Autre chose, dernière petite chose avant que je vous balance le clip. Je suis navré vis-à-vis de l'épisode précédent, j'ai complètement oublié d'aller récupérer un de vos commentaires. Donc, pour rectifier cela, on va récupérer deux commentaires pour la fin de cet épisode-là. Vous inquiétez pas, je vais prendre un commentaire de l'épisode pas d'avant, mais d'encore d'avant. Et pour le dernier commentaire que je prendrai, ce sera un commentaire de l'épisode d'avant. Voilà, comme ça on aura deux commentaires. Et au passage, j'ai pu remarquer, et ça je l'ai tout de suite deviné, c'est dès que je fais une vidéo intégration de nouveaux membres, je me bouffe des pouces rouges. J'aimerais savoir pourquoi vous n'aimez pas qu'on intègre de nouvelles personnes sur le serveur. Si on reste la même équipe, au bout d'un moment c'est chiant. Quand tu intègres de nouvelles personnes, tu as une nouvelle perspective vis-à-vis de cette personne-là, tu as une nouvelle interaction avec de nouveaux joueurs, tu as de nouvelles possibilités, tu as évidemment, voilà, le gros lot de nouvelles têtes. Yeah. Bref. Du coup, j'aimerais qu'on m'explique. Il est vrai que l'épisode précédent, il n'était pas fameux. Hein, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, mis à part l'intégration. Et le Stronghold qu'on aura visité. Mais bon, voilà, c'est tout ce qu'on aura fait dans l'épisode précédent. Mais cet épisode-là, voilà, on a du Mario Kart et on va avancer sur la base ici. Bref, sur ce, on se retrouve tout de suite pour le clip. Et on se retrouve juste après pour... avancer par là-bas. Je pense que je vais commencer à faire la plateforme et je vais vous expliquer un peu comment je vais faire. Voilà. Bon, donc on se retrouve à la course de bateau. On va faire une course aujourd'hui. Donc j'ai construit un circuit moi. Donc voilà, on peut le voir sur la carte. Là, donc on a la carte. Donc on peut voir, ça fait un circuit. Hein. Donc il y aura plusieurs tours. C'est pas un départ et une arrivée. L'arrivée, c'est le même endroit que le départ. Donc je vous invite à me suivre. On va déjà faire un tour à pied histoire que je vous montre toutes les subtilités du circuit. Alors déjà. Ici,
Il y a moyen de prendre un raccourci. Alors, est-ce que vous voulez qu'on l'autorise ou pas? Sachant que c'est pété, le raccourci, il est pété. Hein. Parce qu'en gros, de base, on est censé passer dans l'eau par là-bas. Sauf qu'en, en prenant le raccourci, on peut passer là, dans le trou, et passer sur la glace. Et en gros, on saute toute une partie. On arrive en passant sur la glace, on arrive jusqu'ici. Donc, en gros, on saute la partie sur l'eau. Et vu que sur la glace, ça va plus vite, et ben, ça fait un raccourci, quoi. Moi, je dis autant qu'on garde le parcours de base. Je sais pas. Ouais, pareil. Ouais. Donc on fait quoi? On garde le parcours de base. Bah, à la limite, on fait plusieurs courses. La première sans le raccourci, et puis après on fait un avec. Monte, pire, patron, ouais. Monte. Oui, je suis monté. Il est bande de tricheurs. Ok. Du coup, attendez, revenez au début là, parce qu'il faut que je vous explique un truc dans l'eau. Ah, dans l'eau. Oh. Ouais, dans l'eau. Ça va être difficile à parer. Attends, on fait le chemin sens inverse avec Mitsu, là, on arrive. Bah, il a dit d'aller au début. Bon, au début. Ouais, non, mais au début ou dans l'eau, c'est pareil, mais au début, quoi. Enfin, vous pouvez sauter, là, même. Non, on peut pas le taper, toi aussi, t'es triste. Ouais, ouais, pareil. Enfin, sauf ceux qui ont pas des sliders, ouais, vaut mieux pas sauter. Allô. On t'écoute. Ok, alors là, je sais pas si vous avez déjà vu ou si vous savez. C'est des boosters, mais quand vous passez dans l'eau avec un bateau, votre bateau, il est entièrement sous l'eau. Donc en gros, si on passe là en plein milieu de la bosse, votre bateau il va couler. Et donc, sérieux? Donc en gros, faut. Ouais. Je sais pas ça. Mais si vous passez en plein milieu, vous pouvez. Ah vache! Oh merde! On reste dans le bateau. La bosse, vous pouvez la frôler, mais si vous passez en plein milieu, ça coule. Donc vaut mieux esquiver, quoi. Oh merde, ça, c'est la première pas, chose à savoir. Il coule entier. Excellent. Hein. Ah ouais, complètement. Et du coup, vous perdez masse temps parce qu'il faut aller le chercher tout au fond. Hein. Ah bah oui. Donc après, on est ici, c'est une statue. Voilà, c'est en référence à Mario Kart 64 pour ceux qui ont joué. Sauf que là, c'est version Minecraft. Oui. Ça me dit rien du tout. Mais il y a un bonhomme de neige, il y a un circuit de neige avec un bonhomme de neige. Oh les gars, quoi. Ah, voilà. Ah, c'est Mario 64, ça fait longtemps que j'y ai pas. Ouais, vu, non, mais tu sais, ouais, voilà, il est trop patron. Vieux, lui, il en a vu d'autres passer. Oh non, ça, c'est pour, je coule avec le bateau. Ça, c'est pour le. Donne le bateau. La course en double dash, ça. Tiens. Donc, en gros, quand vous appuyez, vous recevez une flèche avec l'effet slowness, donc une flèche. Merde, quel une flèche de potion. Ah, on va y arriver, attends, on a du mal là. Mais tu fais comment? Il faut descendre du bateau alors? Attendez. Ouais, ouais, il faut descendre. Donc en gros, c'est un compromis. Vous perdez du temps à venir les chercher, mais après, vous avez un projectile plus puissant que ce que vous avez de base. Ici? Donc en gros, là, ici, en appuyant sur le bouton, vous recevez à chaque fois que vous appuyez une flèche. Mais plus vous restez, parce que les flèches, c'est une par une, hein, forcément, vu qu'il faut appuyer. Et donc, plus vous restez, plus ça perd du temps. Mais plus vous avez de flèches, plus avantage. Et c'est qui a pris une flèche là? Il manque une flèche. Elle est dans ton crâne. Elle est sur toi. C'est pas très gentil. Ah ouais, j'ai des flèches. Par contre, je sais pas du tout qui l'a tiré. Hein. Franchement, ça me dit rien. Attendez, on va passer la nuit là, parce que sinon, on va se faire attaquer. Oh la vache, il y a un squelette. Oh, il m'a tiré dessus. Mais reste pas là. On a essayé de le faire de nuit avec Cédric, c'est un délire. Aïe. C'est impossible de nuit. Arrêtez. J'ai des pommes en or, rien à foutre. J'ai une pomme de nudge aussi. Oui. Oh la vache. Regardez. Oh, ce tir. Oh, ce tir. Une flèche. C'est bon, il est en haut. Une balle de mort. Aïe. Oh les mecs. Y'a plus aucun respect pour la vie là. Évidemment, le bateau il est au fond, quoi. C'est con qu'on peut pas les avoir. Ah ouais, t'as vu les flèches qui tombent là. Ils tombent droit. Oh. Est-ce de pluie de flèches? C'est trop beau. Eh Thierry, c'est trop beau sous l'eau. Oh, y'a pas de lire. Oh les mecs, je vais crever, arrêtez vos conneries. Oh, stop. Après, ici, quand vous arrivez ici, il faut faire un demi-tour. Donc là, c'est un virage à 180 degrés avec un squelette tout gentil qui veut vous tirer des flèches de slowness dessus. Donc bah, il faut le tuer, attends. On l'a déjà en. Non, interdit de le tuer, sinon je te tue. Si tu me tues, je te tue, d'accord? D'ailleurs, il s'appelle comment? Je sais même plus comment je l'avais renommé. Je sais que je l'avais renommé forcément pour. Tu l'as renommé Oups, c'est ça? À vous tous. Oups. Ah, c'est Skeler Rex. Ah, Skeler Rex, bah c'est pas con, effectivement. Ça paraît logique. Ah, il t'a mis une flèche, le Skeler Rex. Ah ouais, bon, tant pis. Bon, alors après, ici, il faut juste suivre la muraille, en fait. Il n'y a rien de particulier. Après, okay. Vous avez une tour, faut contourner la tour, là-bas. Mm-hmm. Donc, ça, c'est assez étroit.
Enfin, je sais pas si vous avez testé. Si, c'est la merde. Voilà, après, on passe dans la rivière ici. Donc, jusque-là, rien de... Ouais, c'est chaud, là. Rien de... de bizarre. Alors là, ça va encore, c'est plus normal. Après, ici, quand on passe ici, donc on le voit pas en bateau, mais il y a un tripwire qui déclenche un truc avec des pistons pour vous faire remonter. Parce que sinon, vous pouvez pas monter sans ça, en fait. J'illustre. Voilà, du coup, il va faire la démonstration. Regardez, je nage, les gars. Sors du bateau, sors du bateau, sors du bateau. Bon, allez marcher sur mon truc. Putain, le clochard, quoi. Il restait quoi, ça y est, vas-y, avance. Voilà. Ah bah voilà. Oh, les bugs de. Ah ouais, il retournait. Aïe. Heureusement que je suis là pour illustrer. Ah, ah, aussi, oui, heureusement, oui. Hey, oh, ça va tellement vite. Il gère de ouf. Je vais faire équipe avec Mitsu, moi. Ah, que les traîtres. Ah putain, il pleut. J'ai fait un J'espère que ça va pas spawner. Hein. Normalement, non. Donc voilà, après, on passe par en dessous un pont. Hop. Ici, on a la même chose que oh, non. le tripwire, sauf que c'est des plaques et ça... Oh putain, ça spawn. Ah ouais, si, ça spawn. Ah, c'est foireux, ça. Donc ça permet de monter, pareil. Hein. Faut aller sur le... Par contre, faut bien faire attention, ah, votre bateau faut qu'il soit entièrement sur les slides. Faites gaffe, y'a un creeper. Putain, c'était tellement chaud pour nos vies, quoi. Pas bien, on aurait tellement pu crever comme des grosses merdes. Sorti le bateau, chef. T'es à deux doigts de péter. T'es sûr que je veux équiper avec lui? Il est dangereux. Oh, ça craint, là. Putain, ça craint. Bon, alors après, vous montez. Faites attention aux creepers, hein, histoire que ça pète pas la course, parce que sinon on peut pas faire, ça va tout foirer. Hop, donc on passe par ici. On passe sur le pont faut faire attention parce que vous pouvez tomber. Là il y a des trous, vous pouvez tomber et du coup vous perdez du temps parce qu'il faut refaire la boucle. Si vous tombez là. Je sais même pas où vous êtes. Ah oui. Aïe. On est là sur le pont. Les deux autres. Tu sais ce qui serait trop bien avec ça, c'est de le faire avec Mumble Link. Un jour on décollera pas trop. Un jour on décollera pas trop. Un jour. Allez, oh, nulos. Attends, j'ai réactivé. Déconnectez-vous pour la pluie. Déconnectez-vous. Ah, le mec. Écoute-moi. Mitsu, il avait pas compris. Il a pas tout compris, hein. Non, Gil, déco. Ah, mais attends. Oh, les mecs, les relous. Okay, mais déconnecté. C'est bon? Non, c'est pas bon, là. Je me fais agresser parce qu'il y a des mobs. Voilà. C'est pas éclairé ton terrain. Il est chiant, ce type. Hein. Grave, relou. Sérieux, quoi. Attendez, je vous dis quand c'est bon. C'est voilà, bon. C'est bon, là. C'est qu'est-ce que je dis, c'est qu'est-ce que je fais. Et là, paf, on crache le cerveau. C'est ça. Trop de connexion d'un coup. Oh, il en a vu des plus belles. Rentre dans le bateau. Oulou. Ah, donc on vous attend sur le pont là. Ah, vous êtes là-bas, putain. On essaye de les remonter, les couillons. Putain. Hein. What? On est monté tellement bizarrement. C'était bien, patron. Ah, on a flotté. Ok, aïe. Attends, je vais mettre un F5. Ah, voilà, c'est bon. C'est mieux. Non, tu me pourras pas tomber. On est arrivé donc sur voilà, un guet-apens. Pour ceux qui n'ont pas vu, ici on peut tomber, donc faut faire attention de ne pas tomber, parce que sinon vous... Tombe pas, patron, tombe pas, patron. Après on arrive ici. J'ai mal au crâne, arrête. Alors ici, vous avez deux choix, soit passer voilà, par où... Vas-y, continue. Voilà, ouais. Quand on passe, ça active de l'eau en fait. Ah ouais, ça fait et chier tout coup, le monde. Du coup, ça ralentit ceux qui sont derrière. Ah, donc il faut être premier à cet endroit-là. Quoi. Et l'autre côté, il est plus large, mais il n'y a pas d'eau. De passer par ici que de passer par la droite. Donc voilà. Mm-hmm. Oh, non, et après, ici, c'est pas deuxième pareil. Essai. C'est un truc. Et ça, c'est un petit peu en référence à, encore une fois, Mario 64. Oui un moment dans du premier coup. De... Oui dans la course de neige de Mario 64, c'est un moment où... Ah vache. T'es tellement en mode spam là. Ça fait des murs. T'as des spasmes là, t'as mal au crâne. Putain, mais grave, qu'est-ce qui vous arrive là? Oh, putain, le jeu. C'est bon, mec. C'est quand ça commence? Qui veut faire le départ du coup? Enfin, le 3-2-1 go, qui fait? 3-2-1 go. Bon, bah, laissez pas. Bande de tricheurs. Oh le bordel. Oh le bordel. Ah, c'est la guerre. Oh, le box collision de l'amour. Et tu peux pousser. Oh non, non. Putain, on est allez, tombé. Ah oh, putain. On s'est poussé, du coup c'était foireux. Ah putain. Il faut pas toucher à la souris, il faut pas toucher à la souris. Venez ici, bande d'enfoirés. Pouillez le mien.
Vite, faut serrer les liens. Prends la corde, tu prends la corde. Oh, le con. Ouais, je prends la corde, t'inquiète. Oh la vache. Ah, y'a le con là. Ah non, pas le con. Ah non. Oh là là, wow. On peut passer sous la petite arche ici, ça passe oui, ou ça oui, casse oui, ouais, ça passe, ça passe. Ça passe. Oh. Oh, je sais pas comment j'ai fait, mais c'était magnifique. Ça, t'es meilleur, t'es meilleur. C'était une très belle action, ça. Non, mais sur l'eau, c'est ça va, dommage, c'est pas grave. On a pas le... Non, on sait pas qui c'est le premier. Je suis bloqué par un mec. C'est vite tout, c'est vite. Vous inquiétez pas, de toute façon, ah. Slime Block, je vais finir dernier, donc ça c'est magnifique. Ouais, je le vois sur la minimap en haut, je vois les joueurs. C'est... Ah, j'avoue, ah ouais, toi c'est t'as pas vrai truc. À la minimap, c'est plutôt bien, ça fait un peu comme Mario Kart DS. Ouais, c'est voilà. Ça. Ah merde, mal, oh putain, j'ai ralenti là. Oh non, 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 j'ai ralenti. Mais je peux pas doubler ici. Oh, c'est trop dur. Allez, pousse. Enfin, rame, enfin, fais quelque chose. Je crois que si on fait jump vite, ça rame plus vite. Non, ML me rattrape. Non. Allez. Comment tu fais, il s'est pris un... Tu m'auras pas. Putain. Ah si, en fait, tu vas m'avoir. Super. Ah, c'est trop dur. C'est 3 tours, hein, je rappelle. Je vais pas pousser. Non, c'est de l'autre côté. Merde. Non. Attends. Oui. Ah, mais c'est trop dur, mec. Attends. Oh, la vache. Oh, non. Il a pas le droit de ça. Ah, non, non, non. Ah, non, j'ai le super mur. Moi, je vois des bateaux. Je vois des Juan, tu reviens ici. Allez, go, c'est le passage de la glace. Ils vont me rattraper. Trop me faire. Juan, tu t'en vas. Yo, ah putain, yo, comment yo, tu c'est bugué. Ici c'est qui ça là, le que. C'est moi. Salut, mec. Ah, ça va. Arrive. Ça va être. Oh, putain, ça va trop vite. Ça va trop vite, mec. Attends, je suis complètement bloqué dans la neige. Non, laissez-moi. Je vous rattraperai. Oh, mais arrêtez, il y a tout le monde qui s'envole là. Ah, c'est le bordel. Oh merde, on est sorti du parcours. Regarde, c'est con. Qu'est-ce qu'on fait quand on est sorti du parcours? C'est qui le Dark Oak? C'est moi le Dark Oak. Bon, attends, je vais te doubler. Non, 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 la flotte. Salope. Oh putain, ah, j'ai bien étudié son parcours. Enfoiré. Mais c'est pas possible ça. C'est pas possible, moi je vous dis. Allez, allez, allez. Putain, un Made in Block. Ah oui, c'est bon, doublé. Non, Made in non, Block, non. Pas mal. Oui. Mais casse-toi. Je vois pas qui c'est. Il y a des bateaux fantômes, mon gars. C'est moi, là, juste devant. Et je sais pas qui c'est, je suis encore devant. Allez, allez, allez. C'est qui, là, le... Vas-y. Je sais pas voilà. Quel bois c'est, en fait. Moi, j'ai un bois de hoc. Ouais, je pense. Moi, je suis en acacia, je crois, ou un truc comme ça. Viens ici, espèce d'enfoiré, tu vas trop jungle. Vite. Quoi. Ok, j'ai fait mon premier putain, tour. Moi, c'est mon plus facile. Oh, magnifique. Ah ouais, c'est grave mieux. Et vous avez déjà tous fait le premier tour, c'est ça? Ouais, non, non, premier tour fait. Ah, j'ai galère. Carrément, j'ai fait, putain, c'est trop tendax, ce parcours sur glace, c'est n'importe quoi. Dernier ou quoi? Je crois bien. Juste pas regarder derrière moi. Eh, sont... on leur yes, a... J'ai fini le tour. Erwan, ils sont juste trop loin, quoi. On est trop devant, là. On est meilleurs, on est meilleurs. Vous avez combien de tours? Ah, je suis juste derrière vous, les gars, attention. Trois tours. C'est lent, trois tours. Non, t'es pas derrière nous, t'es fou. Ça va. Bah si, je suis derrière vous, là. Là, tu passes l'arche, je te vois, là. Ah ouais, voilà, mais moi c'est ouais, mais c'est loin, ouais. C'est bugué chez moi, plus personne avance, tout le monde est figé. Moi aussi. Non, moi je vois les bateaux avancer, mais c'est des fantômes. Oh, en plus j'ai coulé. Attends, je vais vous rattraper, les gars. Je vais vous mettre une mine. Erwan. Pourtant, je prends les cordes. Putain, j'arrive pas à sauter. Le premier, c'est le l'acacia là. Rah. C'est l'acacia le premier ou... Oui, oui. Que je fasse demi-tour. Je me détends. Ouais, mais moi, les slime blocks, déjà, je suis sorti du parcours. J'ai fini à je sais pas quel bouton là. Ah, je vais le doubler là, c'est qui que je double. Ah, j'ai doublé. C'était qui là? Ah là, ça y est. Putain, il me devance. Je sais pas qui c'est. Je vois un bateau vide qui passe. Ça, j'avoue, c'est quand même dommage. Ouais, c'est quoi. Et à la 1-11, à mon avis, ça va pas changer. Hein. Ah, il y en a un bateau derrière moi. C'est qui? Ça doit être ML. Non, non, moi je suis en Dark Oak, moi. Ah, il m'a doublé. C'est qui m'a doublé? C'est moi. Putain, enfoiré. Enfin, moi je suis le jungle, le boss. Ouais, bah c'est lui. Oh, c'est bon, c'est passé. Et là, il y a la cassia. Je vais doubler la cassia là. Ah, j'avance pas sur la glace. Ah, c'est Erwan, la cassia. Monsieur oui. Cancer. Oui, monsieur Cancer. Doublé. Non! Casse-toi! Oui. Casse-toi! Ah, c'est bon. Dégage! Putain, enfant! Dégage! Ah, dégage! Mais pousse pas comme ça! La violence! Ah non, tu m'as. Non. Mais tout le monde gère les slime blocks ou je rêve? Non, bah là je suis dans le. Ah, non, pas je du suis... tout! Déjà, je suis même pas au slime block alors. Ah. Oui! Non!
Non, je suis sorti du bateau. Merde. Oh, t'es déjà passé. Ah, c'est bon. Eh, mais c'est avec moi. C'est impossible de passer les blocs avec le psy. Moi, j'ai fini le deuxième tour, là. Pourquoi il y a un Dark Oak tout seul noir? Mais c'est moi ça! Vous me gênez les gars! Bougez! Vous me dérangez! C'est impossible à passer ce truc! Ah, putain, j'attends! Oh là là là, le tournis! Putain, Guy, il m'a mis une dose! Salaud, t'es passé! Ah oui! Ah c'est bon! Oui! Non, je suis pas passé moi! Caco, t'es où du coup? Non, je suis derrière! Non, je suis retombé! Non, ah, non, non, je suis pas passé! Non. Merde, mais comment t'as fait? T'étais juste derrière. Non. Je suis bloqué. Mais merde. Il va bientôt faire nuit, dépêchez-vous. Mais il reste un tour. Dégage. C'est pas possible. Ah, non, salut Amel. Salut le gars qui va de revenir. Ah, c'est moi. C'est de la merde. Hey, salut. Quoi, Amel, il est encore au jeu? Ah ouais, j'y arrive pas. J'ai dépassé Amel, yes. Ah putain. Non, mais il est trop dur le jump. Mais c'est qui est devant moi? C'est moi, mais c'est moi qui suis dans ma galère là depuis tout à l'heure. Mais non, mais ça peut pas être toi, sinon mais t'es vraiment lent. Mais j'en suis à mon deuxième tour. Ah, ça y est. C'est bon, non, troisième tour. Si t'es devant moi, ça veut dire que je te mets un tour. Bah oui, bah, c'est ça, bah c'est ça. Ah là, c'est pas non, non, c'est un contrôleur. Comme dans Mario. Ah, du coup, je rattrape ma place. Oh, tu m'as redoublé là. Bah oui. T'es qui au slam block là? Enfoiré. C'est moi là. Tu t'es sacrifié pour le sommeil. Bordel. Non, je sais pas, t'es à quel endroit là? Là, je suis pile sur les pistons. Ah, les premiers. Bon, t'es pas loin, tu peux te redoubler. Oui, large. Ah, mais le truc est sur. Je regarde sur la minimap, les trucs ils sont. J'ai okay, ma cape qui part en Suisse. Ouais, la cape elle part dans tous les sens. Hein. Ah ouais, ouais. Quand on finit le troisième tour, on s'arrête? Pour ouais. En faire un sort de classement. Oh, mais les gars, ils se la pètent là. Ouais, dès que vous faites le troisième tour, t'as fait le top. Je suis mon deuxième, troisième tour. Non, y'a personne. Ah, mais moi, je viens de commencer le troisième tour aussi. Hein. Ah, ok. Moi, c'est pareil, je viens à peine de le commencer aussi. Hein. C'est qui lui? Des dashs. Tu sais, des speeds d'un bateau. Ça existe oh, pas? Oh, je suis repassé. Si, ça existe, ça existe. Bah, la glace. Ouais, mais tu peux pas prendre la glace. À partir de l'eau, tu sais. Ouais, je sais pas si t'as moyen de mettre une couche de glace avec bah, un courant d'eau pour essayer d'avoir un speed. Ou une couche de glace en dessous de la première couche d'eau, tu crois que ça prendrait le speed? Peut-être. Non, mais voir. Vu que sur un courant d'eau, t'as le bateau déjà qui coule, donc ça va peut-être pas. Ah ouais, bah c'est ça le problème. Je me souviens, moi j'avais fait une course d'eau, mais c'était en 1.7 ou en 1.5, ouais, je sais plus. Qui casse. Et je mettais des panneaux dans l'eau avec de l'eau par-dessus, et puis ça faisait un courant d'eau pour speeder. Gagné, bah tiens. GG. Étonnant, tiens. Comme c'est étonnant. Hey, j'étais mal parti, hein, j'étais quasiment dernier au départ. Oui. Je commence un peu à gérer les glissades. Enfin. Là, au bout du troisième tour, on s'y habitue. Hein. Ouais, c'est carrément. Bon. Ouais, au début, j'y arrivais pas du tout, mec. Là, je suis à l'Atlas. Erwan, deuxième. Faut vite le dire, hein. Dégoûté, j'étais derrière les premiers là, ouais. Et c'est ce putain de trampoline il m'a mis mal. Ouais, c'était il lui manquait un tour là. Non, sérieux? Ouais, on a fait un tour d'avance. Hein. Non mais là je suis à mon cinquième tour hein, en fait. Ah Kurakashi, t'es à la traîne. Qui va prendre la troisième place? Ah oh, putain, mais les jumps en slam, slam block, c'est trop dur. Salut le mec là. C'est moi. Ah, j'arrive pas. Attention, j'arrive. J'arrive foutre la merde avec mon bateau. J'ai une idée. Pour pour le truc en double, on est en nombre pair ou impair là? Salut. Je crois qu'on est impair. Merde. Parce que sinon, ce que tu fais, tu mets le premier avec le dernier, le deuxième avec l'avant-dernier, Salut, et ainsi de suite. Et c'est ceux de la fin qui conduisent. Non. Un crawler. Dégagé. Non. Oh, tu vas tomber. Non. Oh, le salaud, il m'a doublé. Non, ouais, salut, comme ça, c'est les plus nuls qui conduisent. Dégage, j'étais au-dessus de toi. Bouge. J'ai rien compris, Erwan, je suis trop concentré à ma course. Ouais, mais moi aussi, on s'en fout. Le rajoute. Ah, c'est qui arrive là? Ouais, je t'en ai passé. T'as dégagé maintenant. Non, salaud, comment t'as speedé? C'est quelqu'un comme ça, je crois. Allez, non. Ouais, c'est cacao. Ouais, j'ai dit cacao troisième. Ouais, t'as joué troisième, t'es sérieux? Y'en a un autre. Non. Ouais, c'est qui ça? Tada. Oh oui, quatrième. Mais bouge cacao, dégage. Voilà. Et Kurakashi dernier.
C'est où quoi, oh, c'était impossible. Au premier jump. C'est trop dur. Ah, c'était intense. J'étais bloqué au piston. C'était intense. Ça va, je suis bon suisse, j'ai la médaille en chocolat. Une petite couche de slime block en plus, ce serait bien. Merci les mecs. Bah, merci. On peut pas, en fait, le slime block, j'ai mis le maximum. On peut pousser. Ouais, c'est 12. Et... Ah oui, c'est vrai. Voilà, il y a 12 blocs quoi. C'est ça le problème. Tu peux pas mettre deux pistons. Faire plus. Bah, non, parce que après, si. Non, après, alors, tout bah, ça fera deux pattes séparées en fait, ça fera pas. Ouais, un ou alors tu fais un truc, tu fais un jump à bateau quoi. Bon, maintenant, on joue au golf. On peut faire du curling. Curling. Ah ouais, curling. Vas-y, je frotte la glace. C'est un gif que j'avais vu, un truc comme ça. Oui, avec un chat. Un chat. Là, je te l'avais envoyé celle-là. C'était génial. Oh mon dieu. Oh putain. Le curling de chat. Bon, on fait un double ou quoi? Ouais, double. Du coup, déposez votre stuff, enfin, votre arc quoi. Juste le reste, vous pouvez garder. Non, on s'en fout. Pour le double, on peut dire ce qui. Parce que du coup, tu peux pas jouer. Bah, moi, c'est pas grave, je vais vous suivre. Non, sinon, moi, j'allais dire, je filme en spec, sinon. Si la course en double. On fait ça? Si tu veux. Voilà. Oh, bah, je change de compte. On fait comment pour le pilotage? C'est pourquoi les boules de neige? Pour tirer. Bah, c'est pour tirer aussi. Tu peux. Ralenti? Bah, tu peux casser le bateau si tu spams les boules de neige, je pense. À vos marques. Prêt? Partez. C'est parti! Allez, okay. Les enfants! Il est où le bateau? Mec, repose! Tiens, repose-le sur l'eau! Tape-le! C'est bon, vas-y! J'arrive, putain! Ah, je me prends trop. Ah, il faut que je mette ça! Ça veut handicaper les bons joueurs! Vas-y, mec, tu tires bien! Ah, mais tu me tires dessus là! Attends, c'est pas possible! Là, je vais tirer dessus! Là, regarde, là, il va pas de côté, donc c'est parfait pour tirer, mec! Tire! Ouais! Il faut attendre que je sois sur le côté! Vas-y, pas trop, c'est bien! Ah, putain, là, tu tires! Non, il y a les poulpes. Ah mais non, poulpes. C'est bon, on est derrière les murs. C'est bon. Tiens, fais gaffe. On a de l'avance, on a bien de l'avance. Mais t'inquiète, drôle, ça va on les rattrape, on les rattrape. Putain, le squelette, il a failli nous en mettre une. Je suis concentré, là. Je suis en mode Mario Kart, là. C'est bon. Ouais, pareil, je suis à fond. Vas-y. Qui vote que Mario Kart Double Dash, c'est le meilleur Mario Kart? Moi. Ouais, plus ça. Ah merde, j'ai le bateau, je l'ai. Putain. On les rattrape. Et le groupe Kakao Kurakashi qui prend beaucoup de retard. Hein. Ouais, mais ils sont trop profonds. Il faut aller jusque la baie de Rock pour aller chercher le bateau. Ah, j'ai pas réussi. Vas-y, mec. Vas-y. Oh putain, bon, j'arrive pas. Il est où, Cora? Oh, mais... Non, merde. Putain, vas-y, mec, faut récupérer la flèche. Oh, il se met. J'ai plus que 8 flèches. C'est con qu'on puisse pas regarder en arrière. Au prochain tour, on passera au truc. Oh, GG. Oh, c'est bon. J'ai perdu mon coéquipier. Continue tout seul. Attends, il se fout pas de trop loin. C'est patron. C'est parfait. Continue patron. Tout seul. Ouais. Là, tu vas avoir mal au crâne par contre. Oui, je vais gerber là, je me mets en F5. Aïe. Vas-y mec, c'est le moment de les doubler sur la glace. Vas-y. Oh, c'est bien patron. Oh, c'est super patron. Putain, il gère mon patron. Putain, je me foire, là, je fais de la merde. Ah, comment il gère trop. Mais c'est pour ça, moi j'ai terminé quasiment dernier parce que j'étais bloqué par ce putain de. Descends derrière, patron! Vas-y, bougez! Non, je peux pas, mec, je vais tirer dessus là, attends. Ça va être le cancer, patron, s'il l'a rattrapé. Mais... À nous! On passe avant! On passera en. Oui. Oh non! Ah là, ah, oui, ce slime block! Vas-y, mec, c'est le moment de leur mettre de l'avance maintenant! Attends, vas-y, rush! Oh putain, tu gères tellement! Putain, j'ai fait de la merde là! Vas-y, mais putain! Plus en arrière, patron, vraiment au milieu du 4. Vas-y, on a pris masse d'avance, vas-y. Ah, y'a pas quelqu'un pour activer les plaques de pression derrière nous, là, non? Putain, allez! Ah oh, oui, c'est bon. J'ai joué. J'ai tout perdu. Ah, je suis en train de récup. Salut, mec, on vous voit au départ. Ouais, on vous voit. C'est de la merde, je vois. Patron, change de place. Laisse-moi prendre le bateau. Changement de coéquipier. Oh la vache, j'y arrive pas ces trucs là, c'est horrible. Hein. Je me mets en F5, voilà. Ah, bien joué. Là, y'a respect. Vas-y, on a de l'avance, on va prendre des flèches. Ouais, tranquille. Les mecs, quoi. Tu descends ou je descends du coup? Descends-toi. Oh, je sais pas ce que. Oh putain, c'était pas mal ça quand même. Hein, bah, c'était joli. Ok. Vas-y, j'en prends combien, mec? Vas-y, parce que c'est long, en plus j'en prends. Ça va, c'est du contrôlé tes dérapages quand même. Hein. Par contre, faut que je remonte derrière parce que je vise. C'est bon. Vas-y, remonte. Ouais. Remonte. Attends, je rentre. Non, mais c'est bon, il nous rattrape là.
Mais non. Okay. Attends, mais attends, mec, attends. Je te les envoie, putain. Attends, vas-y, hop. Merde. Tiens, les flèches. Attends. Vite, remonte, allez. Remonte, mec. Vas-y, gros. Fonce. Encore. J'ai encore. Ah, il est mais il est où? Oh non, je suis. Oh putain, mec. T'as pas l'impression qu'on s'est... On est ralenti là, non? Si, si, si. Un petit peu. Salut, cacao. Bon, ils sont tous les deux là-bas, ah, mais le problème, c'est qu'il faut trouver leur bateau. Ah, mais ils sont vachement loin, laisse tomber. Ouais. Et pourtant, on s'est arrêté aux flèches. Hein. Ouais, mais nous, on a fait 3 heures aux conneries. Là. Attends, mais ça, c'est pardon, faut arriver au piston. Hein. Ma faute, je suis mauvais. C'est vous dans l'eau et là. C'est la nuit, passez la nuit, ceux qui jouent pas là. Qui... Ouais, bah, c'est qui a le lit? Bah, il est en train de chercher son stuff là, surtout. Il est où le lit? Non, là, j'en ai un, je t'en pose un à ton bateau. Mais il y en avait un autre, il y a quelqu'un qui en avait un autre. Je t'en poserai un au niveau des trucs en fer là. Ou... Attends, bah, je la fasse, c'est pas grave. Ou tu sors de l'eau, si jamais. On perd du temps, et au moins ils pourront rattraper un petit peu. Ouais, tais-toi, toi. Oh le mec. Je trouve que ça peut être. Moi je trouve qu'il parle un peu trop. C'est de la merde, je te tire dessus. Bon, en double, c'est un peu tendax quand même. Vas-y, remonte vite. J'ai coupé les bon, bon, bon. Tire-moi dessus, patron, je m'en fous. Oh. Moi, bon, Akashi, je suis au départ de la course. Le crawler et Guile contre le bateau fantôme. Non, ouais, vas-y. T'as intérêt à avancer, gros. Ils sont juste derrière. Squelette. Putain, le squelette. Il va faire chier. Ah. Je suis en feu. Vite, vite. Oh la vache, je souffre. Moi je te tire dessus, c'est sûr hein. Moi je sais pas où vous êtes hein. Oh, c'est cancer, j'aime pas. Putain mais tu gères tellement. Moi j'ai ta cape. J'ai ta cape qui me bifle la gueule depuis tout à l'heure là. Je vois que dalle. Gauche droite, gauche droite, gauche droite. Ouais, ça va de haut en bas aussi, attention. C'est le mec tout va se tout va se passer patron. Allez. Oui, oui. Tout va bien. Ça joue la sécurité non, du côté du duo de devant. Ah, j'ai pas été récupérer le bateau. Oh, enfin, gueuler par le patron. Hey, asie des entités, cassez vos bateaux. Oh non. C'est bon, c'est bon. Merde. Oh, là, là, ok, là, cette fois-ci, t'arrêtes pas puisque j'en ai dépensé aucune. Là, 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 là. Ah bon, t'as toujours les. Ouais, j'ai tout. Oh. Ok. Ah, c'était beau ça. Allez. C'était pas trop mal, ça va. Mais j'aime pas les virages. J'ai la gerbe, j'ai le mal de glace, putain. Ça va, ça va. Là, t'as un poulpe qui va nous emmerder, non, ça va. Okay. C'était bon. À défaut de buter crawler et l'autre, bute les poulpes. C'est plus chaud. Ouais, mais à chaque fois que je te tire dessus. Non, mais ça va, j'ai toute ma vie. J'ai pas mon euro. En fait, faut que je tire vraiment, faut que je sois vraiment à droite. Ou à gauche pour tirer, pas devant, c'est mort. Putain, il est con. C'est tout ce que j'ai, Cora. Je sais pas si t'avais d'autres choses, une pioche ou des outils, c'est tout ce que j'ai récupéré. Oh là là. Hop. Ok, nickel. Ils sont où? Je vois pas leur bateau. Ils sont pas si loin que ça. Ah, mon bateau il est là-bas. Ah bon? Non, vous avez pas tant d'avance que ça en réalité. Elle est stylée la statue depuis ici. Ouais. Sympa, hein. Merde! J'aime beaucoup. Non, je t'attends sur moi! J'appuie sur la mauvaise touche! Attends, mec, shoot-les là-bas! Oh merde, non! T'as attends, avant, je attends, vas-y, pas, mais... là, on les attend comme ça, là, shoot sur le côté, là! Là? Ouais, fais-les tomber, fais couler le bateau! Ah, j'ai touché quelqu'un, je sais pas qui c'est! C'est moi, voilà. Oui, allez, parfait! Non! Ça va aller, patron, ça va aller! Putain! Vous êtes tous sérieux, je vous vois même pas sur la. Mais moi j'ai vu le bateau disparaître et je les vois même pas, genre ça a plein de sens. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, vas-y. Ils ont réapparu là mystérieusement. Bon, on se met au début, hein, on vous attend. Ouais. De toute façon, c'est le dernier tour là. Ah, ok, nickel. Allez. Vache. Je crois. On va y arriver. Faut au moins qu'on termine deuxième, Mitsu. Oh, pas mal. Oh, le galérien ici dans ce passage. Putain, mais tu t'es entraîné combien de jours là, crawler? Il a torché lui le parcours. Hein. Attends, mec. Bah, en même temps, je l'ai fait donc fallait tester pour voir si c'était faisable. C'est sûr. Ah, le petit mur là quand même, non?
Bah si il est en vocal, Coram, je sais pas, il s'est peut-être muté, il y a peut-être pas l'autre qui regarde la télé ou quoi. Non. Oh mais c'est tellement la mort. On va déjà ici. Le soir c'est un peu compliqué. Ah les vlogs. Flèche. Merde. Aïe. Ça fait mal. Attends, il faut que je regarde les autres passer. Oui. C'est marrant. Putain mais vous avez trop de flèches de slowness, vous en avez combien comme ça? Ah j'en ai 6 encore. Oh, j'aime pas ce passage. Allez on tourne pas. Ok. Oh putain. Oh là là là. Ils en sont. Oh là. Attends je vais chercher. Je passe le fouilleur avec la flotte. On a pas encore fait le deuxième piston hein. De toute façon vous allez dire deuxième vélo. Le deuxième il est beaucoup plus simple hein. Oui. On est avant, oui, carrément. S'il vous plaît. Ah vous êtes là. Ah bon, oh là là, cette maîtrise. Oui. Oui. Ah c'est drift. C'est drift magnifique. Contrôlé. Tout est contrôlé. En deux mots. Bravo, vous êtes deuxième. Ah, j'ai pas la tête, arrête. Ah. Non, il faut attendre la ligne arrivée, voilà. Bravo. Bravo monsieur. Bon ben c'était chouette. Moi, j'ai bien aimé. On est deuxième alors. On est deuxième. Oui, deuxième. Bien joué. Bravo. C'était pas facile, pourtant il y avait des gros concurrents derrière vous. Ouais. Par contre, couler les bateaux, c'est pas top. Hein. Parce que quand t'as 30 de profondeur, c'est une grosse perte de temps quand même. Yeah. J'ai terminé de faire l'extension de la salle des coffres. Si je vous regarde comme ça, c'est tout simplement parce que... voilà. Hein. J'ai quelques flèches dans le bide. Tout va bien. Voici l'extension. Couloir sobre. Bloc d'os. Parce que je le trouve vraiment sympa ce bloc d'os. Et une petite séparation avec des dalles de stone, j'aime beaucoup. Et on aura une grande ligne. Alors évidemment, les 6 lanternes seront recouverts. Pas de carpette noire évidemment, sinon le bloc d'os ne sert à rien. Mais des carpettes blanches ici, ça me semble pas trop mal. Et donc on arrive. Bim! Colorant de toutes les couleurs. Enfin, en tout cas, laine de toutes les couleurs. Clé de toutes les couleurs. De toutes les couleurs, pardon. Le vert de toutes les couleurs et enfin les colorants triés. Voilà. Est-ce que non, je les ai pas rangés là-dedans. Ok. Donc voici l'extension de la salle des coffres. Voilà comment ça va se passer. Au niveau du pattern, vous voyez là où il y a des trous là, il y aura une grande ligne d'ardennes clés scient parce qu'il y aura de la redstone par-dessus parce que forcément tout ça se sera trié automatiquement. Et donc je vous explique un peu. Alors faut que je reprenne mes outils sur moi, ce sera pas mal. Que je vous explique un peu, je vais prendre. Non. Je vais prendre ça pour monter, prendre de la hauteur. On va prendre de la hauteur à partir de là, tiens. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, si je l'ai autant séparé, c'est parce que, vous le savez, je vais faire un trieur d'items avec des hoppers. Les hoppers vont être collés derrière, ici, et vont être tous au même niveau. C'est-à-dire que ce coffre là-bas, celui-ci, celui que je pointe là, le trieur sera au même niveau que celui-là, parce que sinon, ça fait chier avec la redstone. Donc, on aura une grande ligne de trieur d'items, et de ce côté-là, pareil, la même grande ligne. Sauf que, là-bas, donc on va y aller. Oh, j'ai pété un bloc de trop. En même temps, c'est la même couleur, donc oui, pété un bloc de trop, c'est pas grave. On va remonter très rapidement. Je vous jure, j'ai flippé, hein. Heureusement que j'ai mes élytras, parce que là, ça pique, hein. Ça pique. On va remonter très rapidement avec mon Elytra Launcher, qui est la meilleure invention du monde pour pouvoir monter. Piu. Ok, par contre, il me fait monter un peu trop haut, hein. Yop, yop, voilà, nice. Oh, mais vas-y, s'il te plaît, pose ton bloc. Voilà, très bien. En ce qui concerne cette séparation-ci, chier à bouffer lui. Voir qu'il y a très peu d'espace pour trier les items. Bah, c'est tout simplement normal parce que de ce côté-là, le trieur sera par là. Et juste ici, le trieur pour ces coffres-là ne sera pas de ce côté-là, mais sera de ce côté-là. C'est pour ça qu'on a un pattern comme ça. Et donc du coup ici, le trieur sera pouf de ce côté-là, et là-bas, il sera de ce côté-là. Donc comme ça, ça me laisse peu d'espace. Donc c'est assez... Je l'ai fait le plus compact possible, concrètement. Je peux pas faire plus compact. Pour ce qui est de la déco ici, peut-être qu'on mettra des dalles de pierre ici, hein, pour que ça fasse plus sympa, pareil là. Hein. Pour l'instant, j'ai pas fait le toit. Ici j'ai juste recouvert parce que de toute façon il y a de la redstone au-dessus donc c'est forcément recouvert. Et pour éviter le lag, parce qu'il y aura déjà quand même pas mal de lag avec tous les hoppers que je vais devoir mettre, il y a juste ça comme item frame. Sinon j'ai mis que des blocs. Et en ce qui concerne la salle des coffres là-bas, j'hésite fortement à mettre que des blocs aussi. C'est-à-dire qu'on va retirer ce double coffre là et puis mettre juste le bloc de Pozzol ici par exemple. Sauf que non, techniquement ça va parce que ça c'est de la course d'heure donc ça va pas s'étendre. Mais faut que je regarde si c'est
Si on peut le faire, si c'est agréable à regarder ou pas. Parce qu'il y, y aura quand même des items, de toute façon, il faudra que je pose des items frame. Parce que c'est des items qu'on peut pas poser. Alors, par exemple, je sais pas, des boules de neige. Tu peux pas les poser, les boules de neige. Hein. C'est un exemple, je vais pas les trier, les boules de neige. Je vais directement trier les blocs et les blocs dans un gros silo. Donc voilà le couloir pour les colorants. Je pense que je mettrai des panneaux ou des conneries comme ça. Ou alors un indicateur pour me dire que c'est bien là-bas qu'il y a les colorants. De ce côté-là, ou de ce côté-là, je ne sais pas encore. Parce que tout ça, ça va dégager, hein, toute cette partie-là, parce que je m'en sers plus du tout. J'y vais directement avec les élytras. On aura l'endroit pour trier le bois, un endroit pour avoir les silos, et un autre endroit pour stocker d'autres choses. Voilà. Du coup, on va se laisser là. On va aller chercher le commentaire de l'épisode, si vous le voulez bien. Et puis, bon, on s'arrêtera juste après, les amis. Ah oui, et puis d'ailleurs, mon fermier a terminé... Wow, pas trop vite. De grandir... Ouais, il est là. Et ça, c'est cool parce que le fermier, je vais pouvoir récupérer pas mal d'émeraudes avec lui grâce aux carottes, patates et blé. Il va juste falloir que je mette des champs et que je les automatise plus tard. Mais pour l'instant, voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Bref, donc on se retrouve pour les commentaires, si vous le voulez bien. Clic. Et clic. Oui, il y a deux épisodes. Oula. Prends n'importe où. Et il y a deux commentaires pour cet épisode, tout simplement parce que, comme je l'ai dit en début d'épisode, eh bien, j'ai oublié de prendre un commentaire pour l'épisode précédent. Donc, on va s'installer tranquillement ensemble et on va lire le premier commentaire. Donc, le commentaire que j'aurais dû lire à l'épisode précédent. Salut ML, bonne vidéo, comme toujours. Un petit conseil, si tu veux éclairer ton usine à cobble, utilise des beacons. Ils éclairent et sont incassables par les explosions de TNT. Sinon, continue ainsi, ô grand dieu barbu. Axel Guilleux. J'espère que je l'ai bien prononcé. Je te remercie pour l'astuce. En ce qui concerne le beacon, c'est vrai qu'il émet de la lumière. C'est un peu chiant à crafter quand même, parce qu'il faut aller tuer des Wither. Et j'ai de mauvais souvenirs par rapport aux Wither dernièrement. Mais c'était une possibilité. Sauf que avec cette ferme, le problème c'est que la cobble peut jaillir un peu partout et peut se poser sur le beacon. Donc ça fait un emplacement en plus pour la cobble de se poser dessus, du coup un petit peu moins efficace au niveau du farm. Par contre, si tu regardes bien la ferme maintenant, je l'ai pas montré, je crois pas, mais bref, je vous montrerai ça ultérieurement si j'y pense. Mais en gros, quand j'éteins la ferme, il y a une dernière TNT qui tombe, qui en fin de compte explose le fameux croix de stone, ce qui fait que techniquement il n'y a plus possibilité qu'un Enderman spawn là-haut. Et vu que je l'ai positionné assez haut, c'est rare qu'un Enderman puisse se spawner là-haut. Voilà, en tout cas, l'idée était très bonne. L'idée sera reprise si plus tard j'ai besoin d'éclairer quelque chose sans pour autant que ça puisse exploser. Hein, on sait jamais. En tout cas, merci pour ton commentaire. Maintenant, on va lire le second commentaire. Pas mal l'épisode. Une question. Est-ce que tu pourras faire un world tour? Car je n'ai pas le temps de regarder plus de 200 épisodes. Merci d'avoir lu ce commentaire. Alors, Kusai Salam Rahim. J'espère que je l'ai bien prononcé. Si je l'ai mal prononcé, je te prie de bien vouloir m'excuser. Pour ce qui est du World Tour, je t'ai répondu en commentaire, mais je vais répondre aussi en vidéo, comme ça les gens seront au courant. Histoire de marquer le coup, on va atteindre les 222 épisodes, et aux 222 épisodes, donc le 222, on fera un World Tour de ce qui a été fait sur le serveur. Par contre, ça risque d'être très long, hein, donc ça sera un épisode assez long, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je ne pense pas que... J'irai pas dans les bases de chacun. J'irai seulement spawn nordique, donc c'est-à-dire le quartier des commerces, le quartier industriel et le quartier habitable, ainsi que la ferme à creeper que j'ai fait, il y a la ferme à Guardian, la ferme à Wither, le parcours de bateau du coup que vous avez pu voir aujourd'hui, puis ma base évidemment pour faire le world tour. Donc voilà. Bref, il y a Kata qui vient de se connecter. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu les amis. Je suis encore navré pour l'épisode précédent où j'ai complètement oublié de prendre votre commentaire. Coucou. Mais voilà, et j'ai rattrapé le coup puisque j'ai lu un deuxième commentaire, enfin j'ai lu deux commentaires aujourd'hui. Bref, sur ce je vais vous laisser, au prochain épisode on continuera à faire la salle des coffres. Enfin je pense que je vais l'avancer un petit peu hors caméra, je vous montrerai un peu les avancées. On essaiera de faire autre chose entre temps, peut-être pourquoi pas faire une autre ferme à la base. On pourra peut-être pourquoi pas essayer de faire une nouvelle petite île dans les airs pour farmer, enfin commencer à farmer quelque chose, je ne sais pas. On regardera ça ensemble, quoi qu'il en soit, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, les amis, portez-vous bien et à bientôt. Bye.